Question 4. Quel est le total des ventes par trimestre, par année, par produit et par sexe? Une fois de plus, un tableau croisé dynamique, onglet insertion, tableau croisé dynamique. Ok, nouvelle feuille basée sur notre liste des ventes. Trimestre et année, c'est le champ date. Et ce champ date, tout de suite, on voit qu'il apparaît en jours. Nous souhaitons l'avoir par trimestre et par année. Premier réflexe, je clique donc sur une date et une seule. Dans l'onglet Grouper, de l'onglet Options des outils de tableau croisé dynamique, je clique sur la commande Grouper les champs. Et là, on voit que par défaut, il nous propose Mois. Donc, je vais l'enlever en cliquant dessus pour choisir trimestre et année. Et on voit qu'il est tout à fait capable de regrouper par trimestre et par année. C'est le total des ventes. Total des ventes, c'est le champ montant. Il y a un calcul, c'est une somme. Il est donc déposé en valeur. Par produit et par sexe, qui peuvent être donc être déposés indifféremment en colonne ou en ligne, suivant la disposition que vous souhaitez adopter. Donc là, on voit par exemple que j'ai l'année, ensuite les trimestres et ensuite les hommes ou les femmes. Si je souhaitais en fait avoir les hommes, puis à l'intérieur les années et les trimestres, il me suffit de faire remonter le champ sexe dans l'ordre d'empilement des champs, ici dans ma zone d'étiquette de ligne. Et on voit en fait qu'on a des regroupements qui se situent à un niveau supérieur. Les sous-totaux qui en découlent sont donc différents. À vous d'empiler les champs dans l'ordre qui vous semble le plus adapté. Une fois de plus, on se rend compte que dans les regroupements, le regroupement du niveau le plus bas prend le nom du champ. Donc ici, date devrait s'appeler trimestre, puisque c'est bien les trimestres dont il est la représentation. Si j'amène date ici en colonne, on voit que les trimestres arrivent en colonne. Pour autant, il s'appelle date, et c'est dommage, mais c'est ainsi, parce que c'est le niveau de regroupement le plus bas. Voilà, j'ai terminé. Je peaufine en allant mettre un format monétaire sur mes montants. Désactiver l'ensemble des outils de construction. Renommer le champ somme de montant en chiffre d'affaires. Et dans l'onglet création, je vais pouvoir choisir une mise en forme automatique. Donc nous avons vu dans cette question 4 qu'on pouvait regrouper les champs de date par trimestre et qu'on pouvait aussi changer l'empilement des champs, ce qui ne change pas les résultats, mais la façon dont ils sont présentés, et notamment les sous-totaux, qui ne sont donc plus les mêmes, suivant que vous ayez empilé des champs dans un sens ou dans un autre.